Oui, il fait chiant. Bon, après, apparemment, je sais pas, il y en a qui apparemment, ils gagnent sur le parcours. Ils... 300 mètres. Ah ouais, ça marche. C'est ça alors. Si alors, le parking est encore plus près là. Ah, bon. Mais vu la gueule du parking, ça ressemble pas à grand chose hein, comme parking. Ouais, mais tu vois, c'est toujours... Salut les amis de Fred de Mazer, ça y est, on y est. On va débuter donc la visite de l'abbaye de Cailloux, regardez. Je vous ai filmé le panneau avant, mais je vous le remontre. Voilà, on en a pour 7 km, environ 2 heures de marche. Il y a un parking pour ceux qui veulent se garer. Nous, on ne le savait pas, on s'est garé au centre-ville, mais ça fait rien. Allez, on y va. Moi, j'ai eu juste derrière, j'en ai rien vu derrière tout le monde. Hein. J'ai vu tout le monde. Ah, t'as le cake, il a fait tout comme ça. J'ai la maison, il est juste derrière, on se voulait avec la petite. Il y a un parc au fond, là. Bon, parce que... Ah, il y a pas un barrage, là hein. C'est rapide. Ouais, derrière chez moi, ils ont fait un barrage hydro. Ah ouais, j'étais là, ouais, il y a un barrage hydro, ils viennent d'installer, ouais. Je pense que c'est tout le tuyau. Allez les amis, on continue la marche. Il y a des jolies rapides là. Alors les amis, j'ai essayé de ne pas me casser la figure. Pour cette randonnée, je suis accompagné, vous l'avez compris. Il y a Philippe, il y a Joanie, Gigi, qui veut rester anonyme, et moi-même. Voilà. Donc, on se rend actuellement ici, à l'ancienne église de Cailloux, du 12e siècle. Voilà les amis, on arrive à... Ici on a un vieux mur, alors vous connaissez mon amour pour les pierres, hein, plus fort que moi. Et je caresse, hein, c'est plus fort que moi. Là on a juste une abbaye, on va y aller. Hop, je laisse pour faire qu'on va aller. Gigi. Ah, je peux pas faire de l'urbex. C'est dommage, c'est fermé. Voilà donc. Ancienne abbaye. Au film intérieur. C'est magnifique. Hop, je récupère un bras. Hop. Voilà, c'est condamné. Regardez-moi ça comme c'est beau les amis. Les poutres là, que je caresse. J'ai chopé une écharde, je sens, mais bon. Regardez-moi ces pierres là, ce crépi, les crochets d'antan. C'est magnifique. Alors, vous savez, mon amour pour... Là, apparemment, c'est une salle des fêtes, on dirait. Ah, c'est magnifique l'intérieur. Dommage qu'on ne puisse pas y aller. Le bâtiment par lui-même est très très joli. En fait, on dirait que
que la partie gauche est l'habitation, ce côté-ci c'est la chapelle. Ici il devait y avoir une statue. Là, voilà. Il devait y avoir une statue là, voilà, dans le triangle. Qui n'est plus. Vraiment ça comme c'est beau. Ça c'est des pierres de taille les amis. Je vous raconte pas la beauté de ces pierres. T'as vu le clocher ou quoi? Attends, attends. Il est en train de nous faire un clocher là-haut. Le clocher là-haut. Ah oui, il y a le clocher, mais... Et tu me vois mieux quand tu fais le tour. On va côté là-bas. Ouais. On va aller de l'autre côté. Merci les amis. Regardez-moi ça, comme c'est beau les amis. Superbe. Voilà, la randonnée peut s'arrêter là, je suis heureux. Dommage qu'on puisse pas rentrer, vraiment. C'est vraiment dommage. Un petit clocher là, c'est qu'il y avait. Petite cloche. Forcément. C'est l'aller rapide. Ah. C'est super. Ouais, c'est rénové ça. C'est où, tu regardes? La brique, il y a pas, c'est d'accord. Ah ouais, je pense que ça a été rénové. Ouais. Et vous avez vu qu'on a deux parties, il y a la partie église et la partie habitation. Ouais, c'est ça, parce que c'est ce qu'on était en train de dire. Voilà. Ça fait rien, j'ai caressé les pierres quand même. Oui, ça a été retapé. Ça... Oui, ça c'est une salle des fêtes. Mais c'est magnifique. Il doit y avoir des concerts de temps en temps, c'est des musiques ou autre. Ah, musique classique, ouais. Oui, musique classique, je pense. Quelque chose, il y avait une exposition. Ah, mais je vois qu'il y a une association. Ouais. Oui, oui, il y a des cailloux. Petit jardin médiéval. C'est des associations, c'est leur faire. Un jeu de pommiers. On va rentrer. C'est super, hein. Très très joli. Très très beau. La pierre blanche, après tu vois que c'est de la pierre rouge, de la briquette. Un moment ou l'autre, donc t'as l'impression qu'il y a des parties qui ont été refaites, je sais pas. Et puis aussi tu le vois à la taille des pierres. Ouais. Parce que les tailles nouvelles sont faites à la machine, tandis que les anciennes c'est fait au burin. C'est le couleur des pierres, c'est pas la même. Tout en bas et en haut, tu vois, le blanc il est pas pareil. Tu vois, c'est bizarre. Ça a été refait plusieurs fois, parce que ça a été détruit, refait, détruit. Ah bah oui, c'est le vécu, hein. Ouais. Alors que, avec 50 mois, c'est aussi bien. Allez les amis, on vient de là. Et là vous avez l'église. Et maintenant, on va continuer vers... Dans un point assez élevé, puisque je vais vous le montrer après. On peut voir. Voilà, il y a une antenne, je ne sais pas si vous la verrez. J'essaierai de vous le zoomer si j'y pense. Allez, on continue. Voilà, on voit l'abbaye des Cailloux. Elle est sur notre droite, on continue. Donc, vers les coteaux, là.
Voilà. C'est vraiment très très beau. Et de ce côté-ci, il y a l'Ariège. La rivière qui a donné son nom au département. Voilà. Voilà, on attaque la montée du coteau. Là, on est en bas, je ne sais pas combien de temps. Ça va être costaud, là, on monte déjà. À l'église. Ouais. On est garé à l'église. Et on voit en bas là donc la ruine de l'abbaye. Et ça monte. Hein. Ça monte, ça monte. Hein. Croyez-moi. Voilà le. On nous dit qu'on a pourrait ça les amis en montant le long du chemin encore. C'est superbe. Et c'est pas fini. Voilà. Moi Joanie est en train de prendre les photos. Nous on est sur le chemin. Au milieu de bois. On ne peut pas appeler ça une forêt quand même, parce que... On voit bien que c'est l'endroit où passaient les avions pour aller à l'aérodrome de Pamiers les plus jeunes. Et moi ce sentier comme c'est beau. C'est vraiment superbe. Allez, on continue. Alors les amis, on voit bien que l'arbre s'est déraciné, il obstrue le chemin. Et puis je vous avertis, le terrain est assez boueux. Soyez prudents si vous venez. C'est assez. Je ne sais pas si on va le voir là. Voilà, c'est boueux quoi. Je vais financer un peu. Ça. Allez, on continue. Alors, pour éviter la boue, les amis, on est obligé de passer dans la forêt. La forêt. Voilà. C'est vraiment très très boueux. Enfin, ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu puisque il y a eu du vent pendant un certain temps. Voilà. On continue notre parcours. Et je dois vous avouer que c'est physique. Hein. Surtout qu'on ne s'est pas garé là où il fallait dès le départ. Voilà. C'est pas grave. Et de temps en temps, vous trouverez ceci pour vous poser. Allez les amis, on s'est perdu. On a fait demi-tour, on repasse là où il y a la boue. On est complètement perdu. On va trouver, on va trouver. Allez, continue. Allez, on est perdu. Et s'embêter à faire ce chemin pour rien aller, puisqu'on le refait maintenant. On s'est trompé de direction. Et on reconnaît l'arbre en travers du chemin. Je pense qu'il y a plus de petits panneaux chauds.
En fait, on a parlé, on est... Ah ouais, mais on cherche toujours le chemin. Ah, là on va tourner à droite. Alors que tout à l'heure on est arrivé de là-bas, on a été tout droit. Je pense que c'est par là. Ça doit faire cycliste. Oui, c'est ça, regarde. Hop, parcours du point 2 pour aller au point 2, on descend le point 1, il est en haut. Ouais, ouais, et on remonte, ouais. Donc c'est par là. C'est par là. Donc tu vois, on a été par là. Et les amis, ça monte. Hein. Croyez-moi. Il disait que dans la forêt, c'était une grimpe assez importante, c'est vrai. Allez. Allez. C'est beau. C'est beau, ouais. J'ai envie de pouvoir prendre un souffle. Allez, on continue. Sacré montée. J'ai le cœur, il bat à 200 à l'heure. C'est physique, les amis. Préparez-vous avant de venir là quand même. Allez, on continue. Je pense que tu vas avoir une belle bulle ici. Ah. Ah, c'est allez. Là qu'on sent qu'on est un peu trop couvert, pas très grand. Ah mais il m'a fait ah, sinon c'est trop. Voilà, ah, l'antenne ça, relais. Des... qui est sur le coteau donc de Pamiers. Là, je pense que c'est pas. La ville sur les Pyrénées au loin. Et donc tout à l'heure, on va prendre ce chemin-là qui descend. Là. Voilà. Allez, on repart les amis. On prend ce joli chemin-là. Et on le suit. Allez, chemin tranquille. Non, je dis, on prend le chemin tranquille. En fait, je te parlais pas à toi, je parlais aux gens qui m'ont regardé la vidéo. Voilà. Non, mais c'est pas grave, t'as qu'à regarder la vidéo, je te parlerai. Heureusement, on s'est pas énervé après s'être perdu, mais bon. Qu'est-ce que ça aurait été autrement ? Allez, les amis, on a pris un chemin lors d'une intersection, mais... on voit que le chemin blanc contourne ici. Donc en fait, si on avait pris le chemin blanc, ça aurait été aussi bien. Donc on arrive jusqu'à la route. Je vais vous montrer juste le panneau. Voilà. On est sur la bonne route. Voilà, allez on continue. Alors, les amis, regardez, ici, il y a l'antenne. Et on a fait tout ce parcours. Hop, jusque là. Là on est sur le goudron. Croyez-moi. Ça commence à tirer grave sur les pattes. On vient de passer le point numéro 3 sur la carte de Visorando. Vous l'entendez, il y a du vent. Je suis désolé. Et on continue.
Juste un petit conseil entre nous, les amis. Si vous devez faire cette randonnée, renseignez-vous bien sur le parcours, parce que nous, on s'est complètement perdu au début. Je le dis doucement pour pas qu'ils m'attendent, parce qu'ils sont devant. Et franchement, ça a été une galère. Il a fallu qu'on fasse demi-tour plusieurs fois. Et on a réussi à trouver quand même. On est entre le point 3 et 4. Et après, il y a le point 5. Après retour au départ. De toute façon là, quoi qu'il arrive, on redescend vers Pamiers. Allez, on continue les amis. Et préparez bien votre parcours hein, si jamais vous le faites. Voilà les amis, ce que vous voyez là, c'est le NDB de l'aérodrome de Pamiers. On y passe à côté, mais tant mieux. Moi qui suis pilote virtuel, ça me plaît de le savoir. Voilà donc le NDB de Pamiers, l'ADF. Sublime paysage, là-bas on voit une ruine, ça donne envie d'y aller. Ah, Zan, il y a des poneys aussi. Et là, on voit la ruine qu'on voyait depuis tout à l'heure là-bas. C'est le plus ancien stand là. Il y a un lâché dedans. Mais il est bizarre celui-là là, c'est quoi? Mais c'est quoi ça là? Il y a des ânes, non? Ouais, mais c'est des ânes, ça, ça existe? C'est une espèce de poney, ou des poney nains, ou des trucs comme ça. C'est des chevaux là. Oui, non, mais ça, le gris là. Hein? C'est un âne ça? Quoi? Le gris? Ouais, c'est vrai. C'est pas un âne ça? Il y a, c'est un âne croisé avec un sanglier. Je crois qu'un sanglier est passé dans le coin. Ouais, c'est vrai qu'il a une tête de sanglier. Hein. Ouais. Là, il y a carrément l'élevage quoi. C'est impressionnant. Hein. Je pense que si c'est une âne sans âne, tu dois trouver ça, tu dois le trouver cette ferme. C'est possible, ouais. Je pense qu'il doit faire des élevages. Ah, les amis, on vient de monter depuis là-bas. On monte comme ça. Croyez-moi, ça monte. On est entre le point 3 et 4. Presque arrive au 4. Il y en a 5 après. Donc, bah, on va continuer. Bon, je vous filme pas trop parce que il y a beaucoup de fermes, d'habitations, de chevaux, caravanes. D'accord. Donc plus sympa de ce côté-ci. Bon, ce point de vue qu'on a. Point de vue qu'on a, magnifique point de vue. Donc on est au point 4 là, hein. Ouais, on arrive au point 4. Le point 4 il est au niveau de la table. En fait là, on prend cette route là. On redescend sur la route là. D'accord. Donc on peut faire du stop à tout moment. Bah ouais, alors. C'est l'autoroute là maintenant. Ouais, on arrive sur l'autoroute. Hein. Ah, il y a Pyrénées au fond là-bas. Il y a pas mal de neige aussi dans le fond par là. Ouais. C'est enneigé ici là-bas. Ouais. C'est beau là-bas aussi. On voit bien, c'est plus près ici. Ouais. Magnifique. Allez, on se retrouve là-haut. C'est au fond là-bas, tout au fond si on voit. Mais c'est au fond là-bas, on voit du blanc tout au fond. Ouais, c'est vrai, vrai. Tout au fond là-bas, on voit encore les Pyrénées aussi. Ah, les amis, voici la table d'orientation. Et en face, vous avez donc les montagnes. Et donc, vous savez. Celui-là, ça doit être le Fourcade.
Voilà. Je pense. Ah oui, je pense. La forme. La direction de mon doigt là-bas. Ouais, là on voit mieux. Ouais. On voit le piquet là-bas. Ouais. Je pense que celui-là, c'est le Foucault. Ah oui, ce qu'il y a en face là-bas, oui. Je pense, je pense. Ouais, je pense que comment ça fait, ouais, ça doit être ça. Je vous filme la table d'orientation. Non mais t'as pas une fois j'ai regardé, oui, j'ai regardé un peu voir quand même. Non, non, mais j'ai hésité. On voit bien que deux versets, il y a des équipes de Point de vue qu'on a depuis la table d'orientation. Là c'est beau. Hein. Bon, c'est un peu brumeux, mais c'est quand même beau. Alors, on quitte la route et on prend le chemin qui passe entre deux champs. J'ai failli tomber, tout va bien. Voilà. Et ici, champ, de l'autre côté, les fermes. Alors, les amis, on était en haut. On a fait le tour. On descend maintenant le long de ce chemin. Et là, regardez ce qui nous attend. C'est superbe. Cette arche naturelle, fleurie. Regardez ça comme c'est beau. C'est vraiment beau, c'est superbe. Le chemin est plus agréable. Du goudron. Donc là on redescend normalement vers Pamiers. Normalement. Note à moi-même. Prochaine fois, je ferai qu'une seule randonnée par week-end, non pas deux. Parce que hier, j'ai fait la randonnée du domaine des oiseaux pour la version printemps que vous avez vue avant cette vidéo. Donc vous voyez ici la vignette. Et puis, elle était physique aujourd'hui quand même. Sans compter qu'on est monté et descendu pour rien. Allez, continuez, amis. Les amis, on est à une intersection, on ne sait pas où aller, une fois de plus. On m'a indiqué, donc on va prendre un chemin, on va voir. Là, il y a des escaliers. Non, les prisons, c'est pas celui-là. C'est pas là. C'est celui-là d'en haut. C'est là-haut. Allez, hop, demi-tour, une fois de plus. Alors le problème c'est que il y a bien un panneau mais on n'est pas sûr s'il a été arraché apparemment. C'est des fois c'est un délai avec le GPS pour qu'il te recapte bien. Oui oui. Non mais je pense que c'est là. Ouais. Ça m'arrange pas parce que ça monte mais bon. Ah, les amis, on continue sur le chemin, on ne sait pas si c'est le bon, mais on y va. Ouais. Là, on est au milieu de nulle part. Ouais, là, ouais, il y a un truc bizarre. Hein. Là, c'est là. Ouais, mais ça va. Alors, que je vous explique un peu la situation. On s'est perdu, une fois de plus.
Mais pas nous, le GPS nous a perdu. Parce qu'en fait, on a l'impression de rentrer chez des gens et non, c'est le bon chemin. Un petit peu bizarre quand même. Quand vous regardez le commentaire de Visorando, ils disent qu'entre le point 4 et le point 5, il y a une difficulté et les gens se perdent. Et c'est le cas, franchement. Parce que pour trouver le chemin qu'on a là, il a fallu quand même tester plusieurs avant. Et merci le GPS de nous avoir guidés. Voilà. Je vous laisse parce qu'il y a des flaques partout. Pas envie de tomber dedans. Alors, amis, si vous avez une envie pressante lors du parcours, il y a des toilettes. Bien sûr, c'est honteux de polluer la nature comme ça. Regardez ici, je voulais vous montrer aussi, il y a de l'eau qui coule. Une fois de plus, on a perdu le signal GPS. On ne sait plus où on est. Amis, je viens juste m'arrêter, les copains sont en train d'avancer, mais regardez, ici, on a une trace de biche. Voilà. On est vraiment dans la forêt, au milieu de nulle part. On cherche le chemin qu'on ne trouvera pas, peut-être. Non, c'est la raison, on cherche le chemin, c'est pas des conneries, parce que le GPS nous dit vous êtes sur le bon chemin, puis tout d'un coup, boum, on nous met en plein milieu de la forêt, on ne sait pas pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On marche. On marche, on fait confiance à la technologie. De toute façon, moi, je suis totalement largué, là, je ne sais plus où j'en suis. Et il y a des traces de d'animaux sauvages un petit peu partout. Alors, je ne sais pas si c'est sanglier ou des chevreuils. Mais il y a des traces. On remontait, je ne sais pas pourquoi. Allez. On aura peut-être une meilleure vue là-haut quand même. Non, mais la première fois, elle aura attrapé au bout. Le sanglier, c'est sûr, il y a des traces. Hein. Les loups, je sais pas, mais. En tous les cas, les amis, si vous devez partir en randonnée, ne demandez pas à Joanny de vous mener. Parce qu'il dit que sa photo GPS, viens voir. Ouais, et qu'est-ce que tu fais, Philippe? Je m'entraîne. Je peux pas essayer ici pour rattraper la piste. Non, on va rattraper la piste qu'on aurait dû prendre normalement l'origine par en haut. L'hiver, c'est du sport en tout cas. Les branches qui s'accrochent. Ah. Accrochez-vous bien là pour lâcher la terre. Bah, j'arrête de filmer. Et une fois de plus, on est perdu, les amis. On cherche, on cherche. On va trouver. Alors, il faut signaler quand même qu'un viso en dos, c'est mal expliqué. On n'est pas le seul à se perdre. C'est le truc, c'est à côté. Ici, il y a un logement, une maison juste au-dessus. Là, on est juste à côté d'un truc et c'est marqué France pour 4 pays.
C'est une fondation. C'est marqué. Bah, il y a peut-être cette terrasse de madame. Il descend du mauvais côté. Ah, les amis, on est revenus au tas de bois parce qu'on a trouvé le bon chemin, on ne sait pas. Une crampe ici. Ça c'est de faire deux randonnées dans le week-end, c'est pas une bonne idée, je l'aurais pu. Un petit. Bon les amis, ça y est, on est sur la bonne voie. On a trouvé le bon chemin. On a été guidé aussi par un habitant qui nous a dit c'est par là. Franchement, c'est pas du tout bien indiqué. Il y a de quoi se perdre, à la preuve, on s'est perdu. Et là, on est sur la bonne route, on va vers le calvaire. Et j'avoue que la fatigue se fait ressentir. Ça fait 5 heures qu'on marche à peu près. Ou 5 heures, je sais plus vraiment, mais je suis en bonne compagnie. On s'est bien amusé tout le parcours, ça c'est essentiel. Faire la randonnée, autant la faire avec des personnes qui vous amusent. Là, je vous montre un peu la forêt. Et voilà, joli. On était où là en bas? Ouais, dans le bas, là, le long là, dans le bas, on était en bas, ça a l'air qu'on voyait ça en face de nous. Là, il y avait le mur, oui, il y avait les. Ouais. C'est pour ça que je dis, sur la route, quand tu es tour, tu fais pas de tourner dans le cas. En fait, quand tu arrives, c'est toujours libre, à gauche, ça. Vous avez Pamiers là-bas, les amis? Donc, on va descendre, on va jusqu'à Pamiers. Donc, il y a toute la moitié entre le 4 et 5. Ah, les amis, regardez ce qu'on a trouvé. Là, je pense, il n'y a qu'aux États-Unis où le mec il fait une voiture neuve avec un truc comme ça. C'est pas dommage, une frégate d'après ce qu'on a pu comprendre. Mais je pense que les freins ont dû lâcher et quand tu prends la descente, là, le gars il devait arriver de là-haut en marche arrière et. Il a remonté, je vois pas. Mais il passait comment Bagnol? Ouais, il a dû lâcher les freins là-haut et ah ouais. ça roulait jusqu'à là. Hein. Il prenait madame là-haut. C'est le choc à madame. Madame est encore dedans. On n'a pas regardé s'il y avait le squelette, mais bon, on pourra plus rien pour lui de toute façon. Ouais. Non mais c'est tout, c'est toujours des petits trucs bizarres. Tu dis mais comment il est arrivé jusqu'à là le mec? Et n'empêche que la nature a repris ses droits puisque la voiture est totalement broyée par l'arbre. Ouais, enfin la nature a pris ses droits. Il y a encore du boulot avant qu'il n'y ait plus de traces. Voilà, c'est beau. Bon. Bien sûr. Tami, je voulais vous filmer pas mieux, mais. Il y a mon petit cube d'avant maintenant. Continue à descendre. Le panier. La terre est dure là. Sur les chevilles. Ah, les paniers. Magnifique. Non mais ça rigolait les gars, ça fait combien qu'on marche? 5 heures non?
passage de chez toi à 8h15. Donc, le temps d'arriver ici, on va dire 9h moins le quart. 9h15. On a dû partir vers 9h15, je pense. Ouais. Pas, c'est vrai, j'ai même pas regardé quand on est parti. Moi non plus, mais je pense qu'on est parti vers 9h15. 9h15, le temps d'arriver, parce qu'on est parti. Ouais. Moi je suis arrivé, il était moisi. Ça fait 4 heures quoi, qu'on marche. Le temps d'y aller, on va dire 9h, le temps de. Ouais. 9h15, on va dire. Au plus tard. Pour le parcours, tu viendras à 3h, voire plus. Voire. Et plus c'est affinité. Point de vue sur Pamiers. Non, c'est joli, mais bon. Ah, t'avais promis de l'aventure, du rêve. Et ben, on l'a eu. Ah, on a t'as eu tout. Ah, bah ouais. On a tout eu. Hein. Bon, je vais te dire. Ce qui est bien, c'est que c'est bien indiqué, quoi. Surtout entre le point 4 et 5. C'est le mieux, ça, ouais. Le mieux. Allez, on continue à descendre. Mais on était avertis. Regardez ce qui nous attend. Allez, allez. Alors bah, tu vois, c'était l'air entre la fête, c'est que quand t'as tes amis, petit coup, t'as envie de vous donner une paye. Ouais. Non, mais l'erreur qu'on a faite, c'est de venir faire cette randonnée. Là, il va falloir faire attention parce que ça descend sérieusement. Ah, ils le disent, hein. Ça, ah, pour ça. Ouais, ils le disent. Ils disent sur la pente, ça descend. Qu'il y a des pentes assez raides. Et là, c'est rien de le dire. Je vais le faire. Là, on est en direction du Cap Vert. On cherche le papier. Accélération. Guissard, on a tout fait là. Alors attends. Voilà, donc il faut descendre encore. Là, ça va? Je vais me concentrer sur la descente. Hein. J'ai glissé déjà deux fois. Un détour. Ouais. Comme ils ont vachement dans le sens de l'orientation, il faut faire un autre chemin. Ah oui, c'est vrai, il y a des marches. Attention parce que l'escalier est plein de marches. La descente de fin, elle est bien, elle est dans cette... Allez, venez. Vous allez voir. Ça craque. Attention, les derniers passés, ça va s'ébouler. Un petit peu en romain. Non, ils l'ont pas fini, ils ont pas mis la barrière. Je sais pas si vous allez bien voir, les amis, mais il y a une ruine. Hein. Continuer à descendre. Leur famille. Voilà, le calvaire est là. Voilà. Descendre.
n'est plus attrapé, mes amis. Là, par contre, pour finir. On n'a pas mis là. Alors c'est dommage parce qu'on termine sur une route assez utilisé par les automobilistes, donc on finit quand même un peu, on va dire, dangereusement. Alors par contre les amis, si vous ne vous perdez pas, je vous conseille de faire ce randonnée. Regardez, on est bien à Pamiers, on entre dans Pamiers. Donc si vous ne vous perdez pas, faites-la ce randonnée parce qu'elle est agréable. Hormis les détours qu'on a fait, c'est plutôt agréable. On a une mission maintenant, c'est de revenir dans Pamiers jusqu'à la voiture. Et là, il faut aller jusqu'au pied de la cathédrale ou de l'église, je ne sais pas ce que c'est exactement. Et voilà. On n'est pas loin des 5 heures de marche. Plus hier 2 heures, ça fait 7. Ça commence à peser un peu. Ah. L'après-midi canapé sera la bienvenue. Allez, on va continuer à marcher les amis. Au-dessus de l'Ariège. Il y a une passerelle là. Donc voilà, pardon, je parlais avec Joanie. Donc voilà, c'est au-dessus de l'Ariège, donc je vais arrêter la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je suis désolé si je n'ai pas trop filmé, c'est parce que c'était quand même assez physique. J'espère que quand même elle vous aura plu. En mode pêcheur. Voilà. Bon ben les amis, je vous dis merci. Pensez à m'encourager avec un pouce bleu. À vous abonner à la chaîne. Enfin, comme d'habitude. On va monter sur un petit parc et puis replonger sur l'église ou la cathédrale, je ne sais pas ce que c'est. De Pamiers. Voilà. Allez les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, bye bye.